amis téléspectateurs, chaîne 54 jours. C'est une autre semaine, c'est une autre séance, c'est un autre épisode, émission Accord, Désaccord qui entre la caillou. Nous saluons, n'importe côté où vous êtes, suivez nous. Je dis à l'émission Accord, Désaccord, nous prenons le projecteur nous sur ça qui vient pour vous avec la constitution haïtienne. Haïti a déjà passé près de 20 constitutions et même plus, environ 23. Donc, le pays n'a pas jamais vraiment connu une ère de stabilité malgré tout texte de loi. Je dis à l'émission Panouan, nous prenons regarder est-ce que la constitution 1987 là, une source d'instabilité pour le pays. Pas oublier, de nos jours, il y a parlé de changement de constitution. Donc, nous prenons ensemble avec deux intervenants. Est-ce que la constitution 1987 là, une source d'instabilité pour le pays. Rebranchez, nous allons tourner dans un petit moment. Jodi an nan emisyon Akòd Dezakòd, nou pral pale konstitisyon. Nan okasyon, nou gen dè avoka avèk nou. Nou gen Mèd Jaounel Sistanis. Mèd Jaounel Sistanis, bonsoir. Ndi yo bonsoir e Obed. Nan salu telespektatèr yo e les internaut. E se pou nou yon plezir pou nan studio Télépacifique pou nou fè emisyon sa nan espas Akòd Dezakòd. Nou gen avèk nou tou Mèd Godson Luboin. Mèd Godson Luboin, bonsoir. Bonsoir Obed, bonsoir aux confrères, M. Sistanis, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de Télépacifique et de l'émission Accord des Accords. En fait, nous allons parler de questions de constitution. Jean que moi t'ai déjà dit, pour les téléspectateurs, le pays a déjà passé près de une vingtaine de constitutions, plus qu'une vingtaine de constitutions alors. Et c'est comment nous ouais question constitution dans le pays? Bon, si vous permettez moi, il y a une constitution, il y a deux perspectives pour nous voir en constitution. Nous sommes capables de voir au niveau théorique et puis nous sommes capables de voir au niveau pratique. Une constitution, depuis Rousseau, c'est un contrat social. Une constitution, c'est un projet de société, un projet économique, un projet politique et un projet social. Et projet, ça, il commencer à partir de un état de néant qui va le construire et constitution à construire. Et d'un point de vue plus théorique et plus formel, une constitution, c'est un document juridique que relie la loi mère, c'est la charte fondamentale, et qui vient selon la théorie de droit, que relie les théories pures du droit qui est élaborée par ce juriste autrichien Hans Kelsen, que tout le monde connaît, c'est la norme supérieure qui est placée au niveau, au plus haut de la hiérarchie des normes. Constitution, gain, la dernière et règle qui baille légitimité à toute l'autre règle. Par exemple, dans le cadre de la Constitution haïtienne, c'est Constitution haïtienne qui reprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, les libertés fondamentales, les libertés publiques, les disposer et pouvoir public yo, et à savoir le pouvoir exécutif et le pouvoir et législatif et judiciaire, les créer des institutions républicaines, démocratiques et indépendantes, les bailler tout et les grandes orientations pour d'autres institutions que la loi va créer. Donc constitution ça dans sens et quel seigneur constitution haïtienne là, les c'est un document qui orientait l'État d'Haïti vers la démocratie, lui orientait l'État d'Haïti vers l'État de droit, et à partir de normes, à partir de normes que le gain contenir la dernière, une norme fondamentale, c'est que le reprendre et dès son préambule, la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui fixait les mêmes libertés et droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, on vient gagner la Constitution ça comme étant une loi mère. Et son cadre juridique qui permet que citoyens évoluent, qui permet que autorités qui viennent dans l'espace pouvoir, yo comprennent le rôle, la mission que la loi a. Donc c'est ça qu'une constitution. Maintenant, au niveau d'Haïti, c'est que nous avons de l'histoire de constitution, nous avons changé la constitution en pile. Et nous allons regarder au fur et à mesure dans l'émission ça, que est-ce que changer la constitution,
c'est le problème, non? Ou bien est-ce que c'est gagner une constitution dans un pays comme les États-Unis qui fait autant d'amendements là-dedans, mais qui gagne la même version et première là? Donc, c'est peut-être le sens du débat et par rapport à la question que vous posez. Ok, et M. Stanis, là, vous parlez de constitution, ou même c'est comment ou elle? En fait, il faut dire que nous sommes là pour parler d'un texte ayant une valeur fondamentale. Un pays qui vient de naître ou qui a pris naissance, et il doit se doter d'une constitution. Donc, c'est-à-dire que qui définit l'État, qui définit rapports sociaux, qui chaillent ensemble des valeurs et qui dit que voilà, mais comment payer ça, et libéralier, mais qui ça, régime politique, etc. Nous, là aussi, pour nous parler d'un texte et suivant la classification des Kelsen qui se place au sommet de la hiérarchie des normes. Donc, c'est Kelsen parlait, par exemple, de plusieurs blocs. Le bloc de et constitutionnalité. Donc, la constitution et le bloc de constitutionnalité. Il parlait des blocs de conventionnalité. Il parlait des blocs de légalité et blocs réglementaires. Maintenant, tout bloc, ça y est, la constitution se trouve au-dessus. Donc là, c'est pour justifier valeur, importance et yon œuvre pareille. Nous, là aussi, pour nous parler de yon texte consacrant la souveraineté nationale. Donc, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un bagaille. Et pitié, son question pour nous aborder avec en pile. Prudence, parce que parler de constitution, parler de fondement pays à même. C'est-à-dire que c'est qui ça, et qui pays d'Haïti a qui ça le fixe comme objectif, qui ça le fixe comme principe. Donc tout ça, c'est ça qui constitution. Mais nous pensons que, il faut dire en même temps que la constitution, c'est n'est pas une œuvre éternelle. Donc ça, c'est fondamental. C'est pas éternel dans le sens que est la fille de son temps. Donc, c'est-à-dire, on prend une constitution qui définit un ensemble des valeurs, mais valeurs, ça va arriver à certains moments, ils ont évolué. Ouais. Donc, il y a une circonstance qui fait, je vous dis, il y a un tel texte, il y a une telle autre circonstance qui dit que ce texte, il faut l'adapter à de nouvelles réalités, de nouvelles exigences. Mais Stanis, c'est que nous ne pas trop abonder dans cette partie. Dans l'émission, en une seule partie, alors dans la réponse là. Et si seulement que nous avons parlé de réalité pays d'Haïti, c'est qui ça, selon nous-mêmes, qui traduit différents changements en constitution, ça, constitution haïtienne, et ensuite amendement, tout ça. Est-ce que c'est l'instabilité pays à faire face qui toujours traduit différents changements, ça? Moi, je pense que suivant et recherches que je fais, ça conduit surtout à certains changements ou amendements de constitution. Je pense que c'est souvent le texte en soi. La constitution, c'est source d'instabilité. Donc, c'est-à-dire que mode agencement et pouvoir, séparation pouvoir, mettent en situation pour que à chaque moment d'objet intervenu, ce soit nous ferons changement ou bien nous faisons amendement. Donc, du coup, instabilité que n'a pas l'air, li souvent fonction de gens texte là avancé et qui agencé et qui fait une obligation, pour nous recourir soit à un amendement ou bien à un changement total. Donc, lorsque nous dit que la constitution elle est la fille de son temps, c'est-à-dire que quand on prend la constitution de 87 qui était amendée en mai 2011 là, son constitution qui fait tant li. Surtout, lorsqu'on prend référence à la constitution 87 là, il était marqué par une sorte d'ostracisme, c'est-à-dire les grands groupes ont les banni. Ça a déjà son instabilité. Ouais, les grands groupes de monde qui le banni, il dit groupe de monde ça on mettait de côté, alors que ça pas rentré dans valeur qui doit charrier la constitution. Donc, c'est-à-dire que si vous constituez ouvert que son bagage qui est démocratique, c'est-à-dire que l'est ouvert à tout groupe, l'est ouvert à tout secteur. Donc, le fait que tu es marqué par cette source d'ostracisme, c'est déjà une source d'instabilité et qui mettait en condition la situation pour que nous changions. Ok, nous, où tu as nécessité pour le changement de constitution
1987 là. Ok, ou même opter pour changement de constitution 1987 là. Non, pour changement de constitution, hein, parce que son constitution qui déjà fait tant lit, ouais, qui fatigué. C'est-à-dire que amender, amender, corriger, revu et corriger, ça vient faire qu'il y a trop sale. Dans ce contexte, nous opter pour un changement et nous pas dit pour qui ça. Ok, Maître Godson, n'a pas une réaction. Réaction, c'est que j'exprime un profond désaccord avec les propos de mon confrère. Tout d'abord, je veux revenir à la question fondamentale que tu as posée tout à l'heure. Qui ça fait nous gagner instabilité constitutionnelle? Qui ça fait nous gagner instabilité constitutionnelle? Ben, je commence par répondre pour dire que pour qu'on ait de la démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates. C'est avec des démocrates qu'on peut faire la démocratie. Ça, c'est la première chose. Et comme je vous dis, j'exprime un profond désaccord. Je ne crois pas que la constitution de 1987 puisse être une source d'instabilité. Parce que ça crée instabilité, c'est pas le vœu, les dispositions de la constitution. C'est les gens qui sont dans les espaces de pouvoir et qui créent l'instabilité. Donc, c'est pas la constitution. Des exemples. À chaque fois pour qu'on ait une constitution, il faut qu'il y ait un État. Après 1987, on s'est dit qu'on veut avoir un État, ériger un État qui soit démocratique. Est-ce que je vous dis à ne pas voulez vous dans la démocratie encore? La réponse est oui, on veut être des démocrates, on veut renforcer le système démocratique. Donc on veut renforcer le système démocratique. On a une constitution qui est en adéquation aux valeurs démocratiques fondamentales. Quand je parle de valeurs démocratiques fondamentales, je veux parler nécessairement de liberté publique. Cette constitution a repris les libertés fondamentales. Cette constitution aussi a proposé un régime qui veut qu'on y ait, c'est un régime parlementaire et genre avec la collaboration entre le régime l'exécutif et le législatif. Donc il y a un régime politique parlementaire. Donc parlementaire veut dire, le parlementarisme veut dire quoi? Le parlementarisme veut dire que dans la démocratie représentative, qu'on a une assemblée délibérante où il y a des gens qui sont mandatés par le peuple pour aller défendre l'intérêt du peuple en légiférant certainement, mais en contrôlant l'action gouvernementale, donc participer à l'action gouvernementale. Cela veut dire que le peuple y est. Parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le peuple est représenté. Maintenant, on a le régime et parlementaire, on a et les libertés publiques, on peut aussi, à travers les élections, les mécanismes, les procédures pour aboutir aux élections aussi, et convoquer la participation du peuple. Donc, on est en plein dans la démocratie. Maintenant, oui, il y a instabilité. On doit avouer qu'il y a instabilité. Mais instabilité, ce n'est pas texte constitutionnel. Là, instabilité, c'est le monde qui n'a espace pouvoir. Exemple. C'est pas la constitution qui devait dire à travers des dispositions que le parlementaire ne devait pas voler, non? Pour soutirer de l'argent pour avoir un vote, non? C'est pas la constitution qui devait dire ça. C'est que la personne qui se présente aux élections pour être sénateur, député, moun sa, l'abvini lui-même, il connaît qu'il y a les valeurs démocratiques. Il va représenter le peuple. Il comprend qu'il y a les valeurs éthiques aussi. C'est la démocratie aussi, qui a des valeurs éthiques, qui fait que le peuple prend l'argent. En d'autres termes, en conclusion, c'est qu'il n'y a pas une constitution qui crée une instabilité. C'est à la rigueur et très mal placé de le dire ainsi. Il y a une constitution qui est démocratique, la constitution du 29 mars 1987, et personne ne va oser dire le contraire. C'est une constitution démocratique, mais les gens qui sont dans les espaces de pouvoir ont des attitudes antidémocratiques, donc arbitraires, et qui créent cette instabilité-là. Ok, et n'a poursuivre, messieurs. Et bref, ou pas opter pour changement de constitution? Ah, mais c'est une œuvre humaine. Je suis pour. C'est une œuvre humaine, je suis pour. Mais je suis pour pourquoi? Moi, d'accord que, comme œuvre humaine, que nous avons des procédures, que même constitution, ou bien toute théorie de droit constitutionnel, Jean-Éric Jiquel, Maurice Auriou, Maurice Duverger, Jean Jiquel, droit constitutionnel et l'institution politique, je dis oui, il y a des mécanismes, parce que c'est une œuvre humaine. Je suis d'accord avec le confrère sur cet aspect-là, que comme œuvre humaine, on peut procéder à des amendements. Je suis pour un amendement. Mais un amendement, pas pour le caractère démocratique du régime. Cette constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution qui est démocratique. Et la constitution dit en son article 283
si, et 274 tiret 3, que toute consultation tendant à modifier cette constitution par voie référendaire est interdite. Moi, je veux savoir par quel artifice on va procéder à un référendum sur la constitution. Ok, monsieur. Ok, donc, je comprends la réalité à Namitanoudea. Et oui, constitution, c'est une œuvre humaine. Et avec le temps, doit y avoir des modifications. Et s'il veut changer, il doit changer. Mais Kounia, on en poursuit. Selon quoi le prévoit. Oui, exactement. Parce selon que... les normes, encore une fois, constitutionnelles. 30 secondes. Gagner une constitution souple, gagner une constitution rigide. La constitution que nous avons, c'est une constitution rigide. C'est cette constitution qui prévoit ces mécanismes d'amendement. Ça veut dire que ça, on va essayer parce que faut téléspectateurs, on a fait médias de masse pour comprendre ça. Si on va changer la constitution, ça je dis, à fond l'autre constitution. Si son juriste ou si son un monde qui compte droit, pas d'aucun mécanisme. Parce que la constitution dit ça, ça dit que pas d'aucune façon pour changer le par voie référendaire. Ok. Maître Sissanis. Je ne veux pas pour dire que j'opte pour un changement de constitution. Maintenant, il faut définir les modalités et le contenu. Donc, si on a changé comment le changer et qui s'adapte, mettez, qui peut traduire le changement que nous demandons. C'est-à-dire que qui ça qui fait problème, je dis, là, c'est ça pour nous de comprendre. Et dans ce cas, si on opte pour nous changer, c'est pas qui ça nous peut remplacer, ça qui fait problème. Par exemple, notre confrère a dit que quand un parlementaire est en corruption, c'est pas la constitution qui fait ça. Mais non, mais. Quand on voit par exemple comment choisir un premier ministre en Haïti, mais c'est un bagage qui crée problème, qui permet que les parlementaires fassent chantage. Il est clair que récemment, sur le temps de l'ancien sénateur qui a peut-être dans la presse pour dire que pour te voter Laurent Sabat de la Motte, chaque sénateur te gagne en main 40 000 $ américains. Maintenant, on ne va pas dire que c'est parce que les parlementaires sont corrompus, mais c'est parce que le texte en soi. Belle possibilité pour le faire chantage. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pourquoi. Maintenant, si dans quelle disposition? Je viens de le dire que si j'opte pour le changement, il faut parler des modalités et du contenu. C'est pourquoi moi-même, parce que dans un éventuel changement, au lieu que nous gagnons pour le ministre, nous gagnons un vice-président. Donc le président en campagne, il fait campagne avec vice-président, maintenant il est élu. Mais cette histoire qu'il faut désigner pour le ministre, l'envoyer au Parlement. Bail parlementaire aux possibilités pour faire chantage, pour prendre l'argent, pour faire corruption, faire trafic d'influence, maintenant pas dans ça. Enfin, le donc peuple ne veut pas de ce c'est ça. Aussi. C'est ça qui est fondamental. Le peuple maintenant, ne veut pas quand de je dis que aussi, c'est le texte qui favorise ça, ce chantage, ça favorise la corruption, mais je ne mens pas. Ouais, je fais référence au texte, à la Constitution. Donc, nous parlons des modalités et contenu. Maintenant, Kelsen parlait de différents blocs. Le bloc réglementaire, les rentrer dans le référendum. Il ne faut pas oublier que, je viens de le dire que, la Constitution est un texte consacrant la souveraineté nationale. Mais qu'est-ce qui exerce cette souveraineté? La population. Donc, on peut consulter la population. Ouais? Donc, on peut procéder par voie référendaire. Donc, c'est de droit. Ok, monsieur. Non, monsieur, c'est une hérésie. La Constitution a dit qu'elle ne peut pas être modifiée par voie référendaire. Et c'est noir sur blanc. Okay. Et la Constitution, c'est la loi mère, donc c'est à la loi qu'on doit appliquer. En même temps, on va mettre son œuvre. Sans débat. Ou son œuvre humaine qui n'est pas parfaite. S'il n'est pas parfait, c'est-à-dire que les choses qu'il prévoit, qui peut-être pas qu'à réaliser, j'en te prévois là. L'émission a une vertu pédagogique. Cette émission a une vertu pédagogique. Ce qu'on doit apprendre aux étudiants en droit aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de mécanisme de changement dans la Constitution, on parle de la procédure d'amendement. Oui, une constitution peut changer et certaines choses dans une constitution en partie peuvent être révisées, mais par la voie qui y est tracée. Dans cette constitution, c'est une constitution rigide, je vous dis, on a prévu dans l'amendement certains mécanismes qui, et selon ces mécanismes-là, la procédure de révision par amendement et s'étend sur au moins 3 législatures. Cela veut dire qu'il y a une législature qui déclare qu'il y a lieu d'amender. Il y a une autre législature à sa première session ordinaire qui statue sur les amendements, à sa dernière session ordinaire qui statue sur l'amendement.
Et c'est sur un autre président, qui soit une troisième législature théoriquement, qu'on va avoir l'application de l'amendement. Mais ça me devait dire, dans tout ça, là, quand on est juriste et quand on est avocat aussi, on a une probité. La probité, c'est qu'on doit dire aux téléspectateurs et aux téléspectatrices ce que dit le texte, ce que dit la loi, et dans tout cas, dans la question en temps, changement. En même temps, il faut dire que, en tant que juriste et avocat, la loi, la référence n'est pas seulement légale, ça peut être jurisprudentielle et doctrinale. Donc, c'est fondamental pour signer ça. Confrère, d'accord, que... souffrir que nous avançons avec l'argument, vous pensez? Et pour nous finir, pour nous dire que lorsque c'est avocat ou c'est juriste, on probité qui doit pour dire ça, la loi dit. Okay. Qui dit que l'article 244-3 dit que toute consultation populaire visant à modifier et la présente constitution est interdite. Ok. Ok, Godson, et n'a poursuivre. Mais je dis à question constitution avec démocratie, dans le pays, c'est comme à Noël, nous considérer que. Démocratie, c'est pouvoir peuple là, pour peuple là. Et j'ai que Abraham Lincoln définit ça. Mais je dis, c'est comment nous avons démocratie avec la population haïtienne. Est-ce que la constitution avec la population haïtienne, est-ce que peuple là, les jouit de ça que la constitution bali comme droit privilège? Moi, ça me devait dire, si tu veux, pas de problème. C'est fondamental que nous gardions qui ça, population lui-même. Et lorsque, par exemple, les filles votent, parce que en quoi la population exerce cette souveraineté que nous sommes dit là? Lorsque les votent dans la circonscription, les élus ont sénateur, les élus ont député, quoi le représenter? Maintenant, le parlementaire, il faut arriver au parlement, s'approprie totalement du pouvoir. Il ne fait pas cas des populations, non intervention, non et gens la défendent et question yo. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit que la population libérale bénéficie de façon indirectement des votes qu'elle t'a fait. Maintenant, la population et la démocratie. C'est fondamental lorsque je dis ça, et rapidement, on a dit côté le confrère, lit en quelque sorte en confusion avec même l'idée que la essayé d'exprimer. Lorsqu'on dit, pour qu'on se dit comment pour changer, et aussi des articles, là, d'accord, voie référendaire, l'interdite. Mais cependant, qui. Ça dépasse la souveraineté populaire. En rien. Et ça fait insister pour dire que c'est un texte consacrant la souveraineté nationale exercée par le peuple. Donc ça veut dire que quand on fait la consultation, si la population dit oui, ouais, il faut changer la constitution, donc pas grand qu'à dépasser oui ça. Et voilà que nous sommes juristes, nous sommes avocats, nous sommes esclaves de la loi, en ce sens que chaque ça nous dit, nous besoin de référence légale, nous besoin de référence jurisprudentielle, nous référence doctrinale, nous sommes d'accord, mais en même temps tout, il faut admettre qu'il faut avouer que cette souveraineté populaire n'est pas rien qui dépasse elle. Donc du coup, le fait de dire c'est que nous pas qu'à changer le pouvoir référendaire, c'est en quelque sorte écarter la population, les mêmes qui détient les pouvoirs souverains, ouais, pour dire qui ça veut avec qui ça ne veut pas. Donc il faut que les spectateurs comprennent ça. Nous n'avons meilleur moment pour changer la constitution. Et si nous ne pas faire le moment ça, les pas difficile. Parce que les parlementaires, je ne veux pas dire qu'on va le changer pour réduire le pouvoir des parlementaires. Je dis ça. Mais les parlementaires ont trop moyens pour faire chantage, qui mettait souvent en retard le pouvoir exécutif, qui peut être élu, qui gagne un programme, qui gagne un projet pour l'appliquer. Donc, seulement pour choisir un premier ministre, ça prend un an dans le mandat en président. Okay. Donc du coup, nous avons un meilleur moment pour que par un parlement là. Ok, et à nos réactions, maître. Il faut un consensus. Il faut un consensus. C'est que comme nous n'avons pas un parlement, il faut un consensus pour nous chita, pour nous définir qui en a fait ça. Mais nous avons un meilleur moment, et si nous ne faisons pas le jour d'hier là, il sera difficile pour nous changer. Et changer le fondamental pour qui ça? Nous n'avons pas souvent une revue, corriger, re-corriger, etc. Rapier, etc. Non. Quand le cahier est trop sale, c'est refaire pour nous faire devoir. C'est un sale là. Les téléspectateurs vont rendre compte que à chaque fois que je parle en référence au texte, donc c'est pas des formations. Il y a quelques aspects. L'exercice de la souveraineté nationale se fait à travers la Constitution et les lois de la République. Nous avons une anarchie. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que le Conseil du peuple font référence. Ça, c'est un. Deux,
même dans cet état de fait où nous sommes là aujourd'hui, tu es journaliste, toutes les références se font à la Constitution. Le Premier ministre qui est là aujourd'hui, de facto, il exerce un pouvoir sur la base d'accord, certainement, mais sur la base de la Constitution aussi. Il se réfère à la Constitution pour autre chose. Ça veut dire que... La base d'accord. Ça veut dire que... Là où d'accord. Constitution crée une infraction qui est le crime de haute trahison. C'est le crime de haute trahison. Toute violation de cette Constitution. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que comme citoyen, si je dis à l'exécutif qu'il a, de fait, que le prend disposition qui compte Constitution qui est en vigueur, là, la Constitution n'est pas envieuse. C'est avec cette Constitution qu'on va au tribunal et au cours, comme avocat. Ah ben, donc, la Constitution n'est pas envieuse. Mais si la Constitution n'est pas envieuse, l'exécutif qui l'a, après un homme, se référant à la Constitution. Maintenant, sur quelle base il va déclarer le référendum? Il n'y a aucune base légale pour ça. Il n'y a aucune base constitutionnelle. Amis téléspectateurs, on va suivre l'émission Accord, Désaccord. On a un coup de pause, on va tourner dans un petit moment. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Amis téléspectateurs, nous retournons après pause là, j'en que vous connaissez, vous suivez l'émission Accord, Désaccord. Sous plateau, nous avons M. Sistanis et nous avons M. Godson Lubouin. Messieurs, nous allons poursuivre avec Debayo. Et Godson, ou pour changement de constitution ou bien pour amendement? Pour amendement et changement parce que je ne sais pas le mécanisme constitutionnel qui mène à changement. Et le monde qui a osé provoquer un changement, c'est violer la Constitution en son essence, parce que la Constitution a prévoit que lui-même l'a changé entièrement par voie référendaire. Est-ce que la Constitution, ça a comme une œuvre humaine qui fait depuis 29 mars 1987, qui a un amendement qui fait la donne en 2011, mérite des bagages pour changer la donne? Je pense que oui, qu'il y a des bagages qui méritent de changer, mais est-ce que c'est le tout? Je ne crois pas. Parce que Jean Mdoula, il me dit ça depuis le début de l'émission, que la Constitution, ça li reprend un pile principe démocratique qui existait dans plusieurs autres constitutions. Constitution, ça reprend droits fondamentaux. Ça, mon plus besoin, c'est droits fondamentaux. C'est liberté et publique. C'est droits civils et politiques qui garantit. C'est droits économiques, sociaux et culturels qui garantit. C'est droits qui socles de droits moun qui garantit. Constitution, ça que nous avons garanti là-dedans. Maintenant, le problème se pose au niveau du régime. Comment vous résoudre, c'est pour gagner de monde qui est culture démocratique. J'ai dit ça à travers l'émission que on ne peut pas avoir une démocratie sans avoir des démocrates. Constitution en fait pour démocrates, donc dans l'espace pouvoir, il faut que c'est démocrate qui viennent. Mais c'est ça qui peut résoudre problème instabilité, problème chronique là, parce que avec le changement, on va retourner dans même ça nuit là. Par exemple, moi-même trouvé que par exemple les Haïtiens ne veulent plus qu'un président ait un mandat de 5 ans. Exemple, c'est que Aristide n'a pas fait mandat 5 ans, et Jovenel Moïse, et on a vu, et Martelly, on a vu, ça veut dire qu'il n'y a pas quitté ton président fait 5 ans. Parce que le système n'a produit instabilité. Donc ça, c'est de valeur que ce n'est pas une constitution qui a résolu. Ce n'est pas une constitution qui a résolu ça. Ce n'est pas une constitution qui a résolu ça. C'est culture démocratique qui peut gagner. C'est respect des règles du jeu. Si vous ne respectez pas aucune règle, vous ne respectez pas aucune constitution, même avec la meilleure constitution du monde, vous avez toujours une stabilité. Ok, et M. Sistanis, nous connaissons que ou même ou opter pour changement de constitution, eh bien, allez faire un téléspectateur qu'on est pour qu'il ça ou opter pour une décision pareille. Changement tellement fondamental, il faut remarquer que par moment, confrère, bonne raison. Et si on dit qu'il faut changer, c'est changer, il faut garder le. Dans le sens modalité changement, il faut regarder dans le sens contenu. Maintenant, si on prend d'abord la question de la double nationalité, c'est une question fondamentale. Fondamentale dans la mesure où, comment comprendre que des Haïtiens se trouvant à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en France, n'importe quel pays, qui pour juste bénéficier des avantages sociaux, de certains privilèges, prenons l'autre nationalité, mais qui était fondamentalement haïtien et qui toujours soutenu le pays dans
toute situation difficile qu'elle trouve. Mais cette catégorie est exclue en ce sens que parce qu'ils ont l'autre nationalité. Donc du coup, 30 ans de cela, 20 ans de cela, 50 ans de cela, nous n'avons qu'à accepter que la constitution qui n'est pas d'accord là dans double nationalité. Mais je veux dire, il faut accepter que lorsque nous n'est pas d'accord, il y a un haïtien pour la nationalité. On ne peut pas changer une constitution que pour ça. On ne doit pas changer une constitution que pour ça. On peut amender. Je vois ça comme un premier cas. Nous venons comme quoi des sous-développés. Ouais, le fait de ne pas accepter à un haïtien d'avoir une autre nationalité, de sous-développer, ça montre que ce n'est pas des gens, pas des gens qui progressent. Donc du coup, c'est un premier problème à résoudre. Donc du coup, le contenu, d'abord, il faut changer ça. Nous optons pour un vice-président, pas question de premier ministre, cabal parlementaire, possibilité pour faire chantage, pour faire corruption, trafic d'influence. Ça a dit ma voto, mais moi, un an que j'ai des postes. Les présidents sont élus et sont partis ouais, avant le terme de leur mandat. Ça m'a dit que ma voto pour capable de monde dans la diplomatie. Ça a dit ma voto, mais moi, un an que j'ai mis tant comme sous table. Les présidents sont élus et nous pouvons pas achever leur mandat. Ils mènent des campagnes. C'est pas un problème constitutionnel. Avec vice-président, lui. Maintenant, le président n'a pas à choisir un premier ministre et l'envoyer au Parlement pour être ratifié. Il est garanti. Pour être ratifié. Il est garanti de son mandat. Donc, du coup, au lieu que nous allons passer 6 mois. Un an, chantage. Le président Gendam a dit un an en mandat, il n'a pas fait rien parce que il a trop pression sous dos, il fait choix ça, il n'a pas accepté ça, il a rejeté le choix ça, il a accepté le moyen dans telle condition. Donc, du coup, temps passé dans 5 ans, il y a un an passé seulement dans le choix du premier ministre. Donc, du coup, lorsqu'on dit que c'est une source d'instabilité, ça se justifie par ça, tout Abdilayo. C'est tout ça. C'est-à-dire que cette possibilité, qui est-ce qui va parlementaire? C'est pas la constitution. Hein? C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le droit pour le. Participer non le président nomme pour parlement ratifier c'est la constitution qui bat la possibilité ça pour qu'il fait chantage fait trafic d'influence mettez-nous en retard. OK et nous bail Godson et réagit parce que lui justement et c'est peut-être que j'ai un grand penchant pour le droit public et conseil le bail comme qu'à comprendre dans le droit public debout dans la démocratie c'est participation citoyenne. Et cette participation citoyenne est telle que l'y renforcer dans l'élection. Parce que c'est le peuple-là élu, moun li besoin de diriger lui. Ça vient de faire qui ça? Ça vient de faire que lorsque vous avez un parlement, c'est un parcelle de la souveraineté nationale là que vous gagnez, vous détenteur. Et plus que le peuple-là représenté, c'est plus que c'est démocratique. Le peuple élu son président, ses représentants au parlement. C'est plus que c'est démocratique. Maintenant, problème, il y a deux arguments qui ne sont pas. L'autre dit que le président a vice-président, mais il y a qui est clair, et c'est journaliste ou il y a mémoire. De 1987 à aujourd'hui, nous avons un problème, le président n'a pas fini de faire mandat à tout. Ce n'est pas le Parlement. Pas donc un Parlement qui arrive dans la procédure pour faire mise en accusation. C'est que c'est encore. Le peuple qui voulait révoquer le mandat que le président yo, à travers des manifs de rue, etc., etc. On a connu. Ça veut dire ça. Ça veut dire que même si ou est le président encore, avec vice-président, problème ça, comment on va le résoudre? Ce n'est pas un problème constitutionnel. Deux, la question de la nationalité, je suis d'accord. Ces dernières années, nous avons un pays où pratiquement dans chaque famille, il y a un expatrié. Je suis d'accord, c'est un fait. Maintenant, comme juriste, si tu me dis comment analyser ce fait, oui, toute proportion gardée, on peut arriver à des amendements qui baillent plus droit que les gens qui dans la diaspora. Même pas besoin de changer en constitution pour ça. Il n'y a pas une vraie raison pour ça. Ou dit président, vice-président, parce qu'on parle de premier ministre, et parlement participe dans le choix premier ministre, on dit qu'on a un problème, toi, président. Le président est élu, il est chassé en dedans. Mandat, ouais, sans mandat pas fini. Kouna, ou dis-moi ça que naturalisation, on peut apporter ça dans des amendements. Ce que je constate, et ce qui est de fait, c'est que ça problème, dans ce problème, c'est que au fur et à mesure, on position qu'on prend, et c'est ça, les téléspectateurs le voient aussi, que nous en avons marre du Parlement. Le problème réel, là, c'est ça. L'autre de l'exemple, ah, monsieur, changer la constitution, pour seul problème, c'est que nous avons un problème avec le Parlement. Moi-même, M. Godson Lubouin, m'a dit que ce n'est pas le Parlement comme pouvoir qui a un problème. Non? C'est nous qui avons mis la donne. Est-ce que le Parlement d'autres États ont des problèmes?
Ça veut dire que vous marquez démocrate pour rentrer dans l'espace pouvoir. Quelque part, cette considération, on peut l'étendre sur autre chose. Les municipalités aussi. Est-ce que vous pensez que citoyens, au fur et à mesure qu'ils ont élu des conseils municipaux, est-ce qu'ils se rejoignent dans ce qu'ils font, dans ce que les membres de ces conseils-là font? Ils n'ont pas fait ça. Mais ça a besoin fait là, c'est culture démocratique là. Apprendre citoyen et constitution, et puis là, il va le voter, il va l'exprimer ça. Il connaît qui roule en député, il connaît qui roule en sénateur. Il ne peut pas voter pour mille goudes, et puis il a voté pour qui est honnête, qui est intègre, qui est compétent. Le monde s'arrive dans l'espace pouvoir. Si le peuple me donne un mandat, par exemple, pour quelque poste que ce soit au Parlement, je ne vais pas voter pour mille gouttes, non. Je vais voter dans l'intégrité. Je vais voter pour le programme. Je vais voter pour le Premier ministre selon les règles de la Constitution, selon les normes constitutionnelles. Pas de jamais de problème ça. Si tout parlementaire, même jamais, pas de jamais de problème ça. Donc le problème réel, c'est qu'on en a marre du Parlement. Mais le Parlement, c'est l'une des institutions les plus démocratiques à travers les ans. Ça veut dire, si vous voulez réduire le pouvoir, annihiler le pouvoir pour renforcer son exécutif, et chaque fois qu'on fait ça, on arrive à notre despotisme. Ok, monsieur, nous poursuivons avec débat. Nous parlons de problèmes parlement, nous parlons de problèmes institutions dans le pays. Mais je ne veux dire, et M. Stanis, c'est qui ça, un changement constitutionnel capoté pour le pays? Et quand on parle de changement, notre confrère, lui, il parle de... D'amendement. Et d'amendement. Amendement, il est question de manière superficielle. Il ne va pas dans les fondamentaux. Nous avons opté pour changement parce que nous voyons les fondamentaux. C'est-à-dire que les grands pouvoirs, ouais, régime politique. Maintenant, c'est ça qui fait m'insister sur le contenu. Je veux dire là, on veut que la justice soit indépendante. Mais comment est-ce qu'on justice indépendante lorsque le juge là, qui pourra le nommer un, les gagnants parlementaires qui participaient dans la nomination, les vignes quelque part dépendant, les vignes en redevance quelque part de tel député qui était proposé le ministre de la justice là, les vignes indépendance par rapport au sénateur qui était proposé. Maintenant, il y en a un changement en constitution. Nous avons un changement dans le sens que non pas plutôt vers l'élection des juges. Ouais. Nous optons pour que le juge ait une élection carrément. Le juge a un mandat. C'est ce mandat qui va consacrer son indépendance, qui pourra le permettre que l'on ait élu pour 7 ans, pour 10 ans, je ne sais pas combien il n'y a pas fixé mandat là, qui pourra le créer une sorte de stabilité dans l'esprit, pour le connaître que s'il n'a pas fait travail parlementaire, ça, le parlementaire n'a pas mettre pression pour évoquer. C'est ça qui peut le garantir moi-même, mais n'importe quel simple citoyen qui a besoin de justice. Donc du coup, ça, il rentre dans le fondamental, et c'est pourquoi pas qu'à ça, nos amendements. Ouais, donc c'est fondamental lorsque nous insistons sur le changement. Donc dans le changement, nous voit les fondamentaux. Il y a un parquetier, par exemple, qui, dans le niveau paquet, hein, n'importe ministre qui parle, mais forme tête, etc., capable de dire, ok, on est là, je vous dis, à demain, on parle là. Mais si le parquetier, il a un mandat de 5 ans, de 10 ans, ça mettait dans la situation pour que lui baille justice, rende justice, pour l'apprécier dossier qui vient devant lui, sans pas gagner influence, si on monde X, si on pouvoir quelconque, après les CC, etc. Donc, moi, je pense que ça est fondamental, et c'est pourquoi on parle de fondamentaux, dans le sens que il y a des bagages pas qu'à un amendement. Amendement, il conduit, nous tout dit là déjà. Non, piécé, non rapiécé, non revu, non corrigé, non recorrigé. Je veux dire là, c'est qu'il faut réorganiser le pays. Ça veut dire qu'on va refinir le pouvoir public. Et ça, on n'a pas qu'à faire non amendement. Et c'est pourquoi j'insiste. Les consultations populaires sont importantes. Ouais, parce que c'est le peuple là qui détient le pouvoir. Ça. Il faut consulter la population. Automatiquement, il va y avoir oui. Je pense que c'est normal pour que nous, ouais, je vous dis, ayons un changement de constitution. Changement, ça veut dire que nous réorganisons la société, hein? Nous redéfinissons le pouvoir public. Pour nous, avons l'État qui est beaucoup plus huileux, qui plus à marcher. Il y a trop de complications dans l'État. Et ça, c'est la constitution. Hein? Il y a trop de complications pour nous, mais par contre, il y a trop de complications. Okay. Donc, nous perdons trop de temps lorsque nous prenons parfois des simples décisions. Par exemple, dans le changement qui n'a pas l'air. Non, pour que au niveau de la Cour des comptes, ils ont divisé le contrôle des comptes avec le contentieux administratif.
nous voulons créer deux institutions. La Cour des comptes d'un côté, la Cour du contentieux administratif de l'autre côté. On faut tirer de là, mettre ça. Bon, 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 mettons ça. Point. Et non, même. Ma bon, je vais te seconde pour le point. Ouais. C'est la même question, ça, tout. Non, pour que c'est la Cour des comptes, question de charge là, les reviennent, c'est les mêmes dans à tous les niveaux qui baillent de charge. Ok, mettre ça. Parle-moi, en réalité, ok, mettre ça. On nous baille. Vous voulez reprendre une question pour te poser, mettre là. On va mettre là, qui ça va porter pour le peuple là, sous changer la constitution. Mettre là, votre exemple, ma retourner sur exemple. Premier exemple, hein, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je suis pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais mettre là, dit, pour une illustration, mettre là, dit que nomination juge. Aux États-Unis, c'est le président Biden qui nomme les juges et à la Cour suprême. Ça a fait juge, Cour suprême, c'est dans poche liée. C'est non, qui non, pays, c'est... qui état, pour qui différents niveaux, ça fait. Ok, par exemple, ça fait le premier argument. Mettre là, dit que nomination par l'exécutif, ça pose problème. C'est faux. Aux États-Unis, c'est le président qui nomme les juges à la Cour suprême. Deuxième exemple. Mettre là, dit que Parquetier qui est nommé par le ministère de la Justice, ça rend précaire dans l'exercice fonctionnel. Bon, au terme de la loi de 2007 qui crée la profession et des magistrats, la magistrature, il dit que parquetier, les officiers de parquet, c'est des juges aussi, c'est des magistrats aussi. Donc, magistrat, ou loi, ça a renforcé pour organiser carrière magistrale. Ça veut dire que ce problème, on n'a pas besoin de changement de constitution pour. Troisième exemple que mettre la prend sur l'exemple de la Cour des comptes. La Cour des comptes, il y a un décret qui crée la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes, là, capable toujours de loi qui crée la Cour des comptes et qui baille la Cour des comptes plus compétences et créer d'autres organes pour d'autres compétences. Encore une fois, à ce moment-là, pour ces éléments-là, on n'a pas besoin de changer de constitution. Godson, question que m'a adressée à vous-même directement, Kounias, amendement constitution, c'est qui ça l'a porté pour la population, qui ça l'a porté pour le pays. Ok. Qui sont amendements à porter pour le pays aujourd'hui? Premier élément amendement, et le pays est mûr pour un amendement quant à la question en rapport à la nationalité. Oui, il faut qu'il y ait deux changements dans la constitution qui baillent les gens qui dehors plus espace pour investir dans le pays. Pour et participer tout dans la vie politique du pays. Et même nous arrivons tout, les gens participent, ça veut dire que bon bien de décisions qui sortent directement de la diaspora, non sorte d'arrangement. Parce que la diaspora a été importante à un moment que nous avons enregistré l'émission ça, je veux dire. Deuxième bagage, je pense que nous avons capables et réussi à faire dans la constitution, garder les mécanismes pour rendre, par exemple, des institutions indépendantes. Pour renforcer, par exemple. En 1987, on a prévu des institutions de manière lacunaire et quelques institutions indépendantes. Par exemple, la composition du conseil électoral, sa formation, par exemple. Je pense que à ce niveau, nous sommes capables de rouvrir la formation, le conseil électoral provisoire et permanent que nous venons avec l'amendement de 2011. Et ballon en composition, on l'autre composition, donc fait que nous sommes capables d'asseoir ça, parce que depuis 2011, nous n'avons pas réussi à mettre permanent, et avant 2011, nous n'avons pas réussi à mettre provisoire. Donc là encore, parce qu'il faut nous garder des mécanismes constitutionnels qui permettent que nous joignions de solutions pour ça. Sous quelques questions qui ont rapport avec et collaboration entre les pouvoirs exécutifs et le pouvoir et législatif, je pense qu'il y a deux éléments que nous sommes capables de venir avec eux. Non, un amendement. Mais est-ce que c'est pas amendement, on soit pas le résoudre un problème pour le pays. C'est qui moun qui a un espace pouvoir, qui a une mission à attribution pour faire un bagage pour le peuple. Parce que la constitution, même avec la meilleure constitution du monde, il y a toujours des problèmes. Si c'est moun ça, il y a un espace politique là, qui a un espace pouvoir. Ok, en fait, allez simple, allez bref. Notre confrère oublie que question corruption, les dans chaque être humain. Notre confrère n'a pas compris que peut-être moun yo pas fait corruption aux États-Unis, c'est pas parce que pas envie faire corruption, mais c'est texte là. Donc, l'insister pour dire que c'est pas parlement, mais c'est moun yo. Non, mais c'est pas moun yo seulement. C'est texte qui mettait garde fou
qui dit que si mal là, mais qui s'accapule, mais qui sanctionne. Il y a une loi sur la corruption de 2014 qui réprime et qui fait prévention de la corruption. De 2014 à aujourd'hui, il n'y a pas de corruption dans ce pays. Qui t'aime réagir? Non, mais qu'est-ce qu'on dit? Donc, moi, si c'est pour dire que c'est mon lieu, non. Aux États-Unis, on vit faire corruption tout. Il y a une loi très potable sur la corruption en Haïti, la loi de 2014, qui réprime et fait prévention de la corruption. Il y a un trafic d'influence tout. Mais c'est puni par la loi en Haïti. Il y a des gardes-fous. Ouais. Gardes-fous, la loi. Ouais, qui empêchait que vous fassiez ça et vous envie de faire. Maintenant, si nous prenons par exemple question amendement et gens ont justifié amendement. Ou prenons un deal et m'insister. Les questions fondamentales, les fondamentaux, nous pas qu'à voir nos amendements. Et amendement pas besoin d'aboutir tout. C'est là, oui. Et c'est pourquoi nous sommes dit là déjà, mais pas persister. Nous avons le meilleur moment pour nous changer la constitution. Il y a une constitution qui est fatiguée, qui déjà fait tant lit. Il y a une constitution qui frappe, qui te mette dehors un secteur, qui frappe d'ostracisme, mais c'est injuste. Sous du vin, on fait démocratie. Et vous dites ma coûte paladin. De quel droit dit ma coûte paladin là? Tel ma coûte paladin par rapport à telle infraction, etc. Ou capable de mettre balise, moun qui te nan tué, moun qui te fait massacre, qui te nan crime contre l'humanité. Ou capable de dire moun sa là, pap ka occupe telle fonction par rapport à. Mais ma coûte là, si son secteur que lié. L'on dit ou frappe le d'ostracisme et que le pagin plastique. Donc du coup, pas capable de démocratie. Donc du coup, en fonction de tout ça, yo. Nous avons une constitution qui fatigue, qui fait tant lit. Ouais. Parce que les lois, parfois, les lois, elles sont circonstancielles. Ok, mais c'est ça. Ça veut dire que, aujourd'hui, il y a des bagailles qui obligent de prendre telle loi. Et même situation scalpale évolue dans 10 ans, qui pourrait demander que pour nous faire l'autre loi, puis adapter la loi à ça qu'une dégaine. Ok, mais c'est Stanis. Et nous prenons le fini. Et dernière question pour vous. C'est qui ensemble démarche légale pour nous passer à un changement de constitution qui dans la situation actuelle. Je vais avoir la réponse aussi. Démarche légale, je vais dire ça. Mm-hmm. Et les lois, ils sont faites pour guider toute action. Non. C'est fondamental. Mais je vous dis à un bon exemple très clair. Dans qui s'agit qui de loi là, le pays fonctionne quand même. Si nous prenons un monde qui n'a espace pour voir, si nous prenons la constitution, est-ce qu'elle justifie ça m'a regardé là? Mais non. Donc du coup, moi-même, moi insister sur ça nous relie la souveraineté populaire. Les consultations populaires, c'est un outil qui est fondamental dans tout changement fondamental que n'a parlé là. Ok, mais donc, si lorsqu'on dit constitution dinoatique, interdit voix référendaire. Oui, nous d'accord ça. Mais maintenant. Mais si tu es d'accord, il n'y a pas de débat. Maintenant, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Songez que nous avons fait trois considérations. Si vous êtes là d'accord, il n'y a pas de débat. Monsieur, on va aller bref. Argument juridique légal. Il y a trois considérations. D'accord avec donc pas de débat. Il y a trois considérations par rapport à une constitution. Nous avons dit que c'est un texte consacrant la souveraineté populaire. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, participation du peuple là dans la constitution est fondamentale. Donc du coup, dans le changement que nous avons parlé là, les consultations populaires, c'est l'instrument qui permet que nous changions. Et c'est le meilleur moment, je pense, c'est pour le dire, que nous devons changer la constitution. Ok, Godson, nous prenons le fini. Ce qui démarche légal pour passer à l'amendement constitution actuellement, le Premier ministre Ariel Henry, on garde avec Ariel Henry. Ok, mais sauf que je vais retourner dans la Constitution pour me voir le match légal. Non, allez très bien. Pas de référence constitutionnelle pour ça. Et il a parlé de souveraineté populaire exercice fait en dans la loi, en dans la Constitution. Okay. Mais moi-même, ça m'a dit. Comment on va arriver dans ça? C'est organiser les élections, commencer par organiser les élections et élire des représentants et avoir un parlement. Et c'est ce parlement-là qui aura à trancher sur l'amendement. C'est sa constitution pas, dit. Non, là, pas c'est, constitution, c'est sa constitution pas, dit. Pas c'est parce que la constitution dit que, ou un projet d'amendement à soumettre aux deux chambres, avec une majorité aggravée de deux tiers des deux chambres, il a statué sous déclaration qu'il y a lieu d'amender la constitution et on l'autre législature a venir le trancher sous lit le statuer sous lit et le président côté amendement en fait là il va pas bénéficier sous lit ça c'est des marches qui en dedans qui tracé en dedans constitution 29 mars 1987 là je termine pour dire que même avec le meilleur texte du monde le sort de ce pays ne va pas être changé
Une constitution ne change pas la vie des gens. Mais la constitution, c'est un projet. Si avec une constitution, on a des démocrates dans les espaces de pouvoir qui ont même respecté la loi, on a un changement. Moins prôné un amendement, mais amendement, on pouvait même pas ne pas avoir. Parce que même pas nos juridisme qui dit changement à tout prix. Moi, Abdou, que oui, il faut des démocrates pour faire marcher les dispositions qui sont dans la Constitution. Mais maintenant, on ne peut pas les changer, parce que changer, on peut changer, et puis on confine changer. Là, le mois suivant, le peuple s'est toujours dans la misère, il a toujours dans le gangou, il a toujours dans le gang qui a empêché de vivre, il a toujours dans ça. Ce n'est pas le texte qui va résoudre ça. Amis téléspectateurs, chaîne 54, nous avons suivi l'émission Accord, Désaccord. Est-ce que changement constitutionnel est favorable dans le moment? Est-ce que amendement tout acte nous créer conditions pour que ça capable arriver fait. Merci parce que tu suivi épisode émission Accord des Accords ça. Une autre émission c'est pour semaine prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.